Il est bien des pays où l'homme, dans son délire, a forgé la campagne. Chez nous, c'est la nature elle-même qui s'est offerte avec générosité pour assouvir sans fin le moindre des caprices de son hôte, le cheval et lui seul. Ici, à Corot, dans la proche périphérie ajaccienne, le club Horse Park a bâti son fief, un havre de verdure de 6 hectares, totalement dédié à sa plus noble conquête. Donc là, aujourd'hui, on va faire une petite séance de gymnastique tranquillement. Hein. On a le concours demain, on va juste les faire le plus simple possible. Le langage est sobre, mais convaincant. Annelies Knittel, la monitrice, est une femme de cheval par excellence, une préparatrice de mécanique équine. Le cadre se prête parfaitement à l'entraînement des chevaux, avec la carrière qui est de très bonne qualité, une piste qui permet de les travailler en extérieur, la possibilité d'aller également dans les vignes pour travailler tout ce qui est moral, physique, tout ça, des paddocks qui permettent d'avoir les chevaux en liberté une bonne partie de la journée. Donc c'est vrai que ça correspond parfaitement à la manière dont on a envie que les chevaux de concours soient entraînés et vivent leur vie. Voilà. On l'a compris, ici, l'équitation en pratique à haute dose. Dressés sur leurs étriers bombe au vent, les cavalières sont en perpétuelle recherche d'une prouesse technique. Elles font leur show. L'encadrement technique apprécie. Arrêtez de vous coller au cheval de Cathy. Il faut s'entraîner toutes les semaines. Il faut sauter une fois par semaine au moins. Enfin bon, après, ça dépend quel type de concours on fait. Hein. Si on fait du dressage, faire du dressage. Mais voilà, il faut. Là, par exemple, il y a la Annelies, elle la monte une fois par semaine aussi pour la travailler. Il faut qu'elle sorte. C'est un travail, quoi. Il faut avoir beaucoup de niaque si on veut réussir à faire quelque chose de bien. Mais après, si il ne se passe rien, c'est le jeu aussi. Hein. À raison de 3 séances hebdomadaires, les jeunes cavalières savourent un plaisir sans retenue. On comprend alors pourquoi le Horse Park s'est hissé parmi les clubs les plus performants du circuit régional. On fait ça en priorité pour la passion. C'est vrai que la compétition donne un petit plus, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est vrai que c'est la passion, le travail au quotidien qui fournissent pour en arriver là. Donc, oui, la première chose, c'est la passion. Qu'est-ce qui ferait votre bonheur? Un titre de champion de France? Oui, ça serait l'idéal, mais ça serait, voilà, comme je disais, la petite cerise sur le gâteau. Franchir l'obstacle de la performance encore et toujours. Le Horse Park ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Un seul mot d'ordre en tête, tout sans sel, et que ça saute.